C'est l'histoire d'un mec qui, le même jour, retourne deux fois sur le même jeu. Et du coup, bienvenue. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de Gotham Knight sur PC. Et c'est reparti pour un tour. Mais FFTF, ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, vous avez des super belles figurines sur le site de Square Enix de FF9, des figurines articulées qui sont mais magnifiques, mais super chères. Non, toujours pas fini le jeu, non. Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Gueule, monsieur Lucia. C'est mignon. J'ai l'impression de me faire piquer partout. J'étais où, moi, du coup ? On avait pas mal d'autres trucs à faire encore. Je vais faire la course à moto. Alors, on a des petits trucs à trouver sur les côtés. Ce qui serait intéressant, surtout que je trouve les... Ouais, faut que j'aille pas la Lucius. Là, faut que je stoppe déjà Jean-Louis et machin. Là, il faut démanteler les trucs. Déjouer les crimes, trafic d'organes. Le gay, sauver des citoyens en danger dans le centre-ville de Gotham. Déjouer les crimes dans le centre-ville de Gotham. Capacité, éliminer les ergots féroces. On a 14 sur Gains. Là, faudrait trouver un truc. Fabriquer une tenue avec le ciel éternel. Il m'en reste 3 à faire des trucs comme ça. Et objets à collectionner, il reste plein de trucs. Et activités secondaires, il y a ça et ça, ok. Donc on va aller voir ce qu'on peut, faut qu'on aille voir Lucius. Ouais, je crois qu'on avait visité tout ça ici, là. Beffroi, j'ai atteint leur char d'hôtel. Voilà, j'ai arrêté pour aller. Les terrasses doivent être ouvertes, vous pouvez entrer par là. Une terrasse ? Vous avez pris la suite de luxe ? Ah oui, sur le côté de l'histoire principale. Je pensais que vous aimeriez cette disposition. Est-ce qu'il y a l'hôtel ici pour y aller ? On va aller voir ce qu'il nous propose, notre camarade Lucius Fox. Mais du coup, ouais, non, là, je me suis arrêté. À la base, j'avais ce que je m'étais dit, c'est que j'allais faire... je vais essayer de reprendre le rythme du 21h, enfin 21h quand j'arrive à l'heure. Genre, après le tour des streamers, jusqu'à 2h du matin, on fait du jeu vidéo. 2h à 5h, on dessine. De 5h à 8h, on refait du jeu vidéo. Et de 8h à 10h, on fait du papercraft ou des Lego. Je me demandais s'il allait se passer quelque chose ce soir. Je peux vous pousser par-dessus le vide, histoire de voir ce que ça donne. J'ai demandé. Ah, je viens de demander s'il peut mettre dans un papercraft de chat. Attends, il m'a dit quoi du coup le mec? Je l'ai pas écouté, je suis pas malin. J'ai pensé à autre chose en même temps. Et d'ailleurs, faudrait que je remette l'invitation là pour les trucs. Donc, contact. Fabriquer une arme de corps à corps de n'importe quelle qualité. Fabriquer une tenue ou une arme de n'importe quelle qualité. C'est bon, il me gave lui. J'ai pas envie. On remet ça pour que vous ayez l'avis d'afficher. Mais du coup, on est encore loin d'avoir fini le jeu. Mais ça va encore, pour l'instant, ça va. Franchement, je me sens toujours bien dessus. Et ça, c'est cool. Là, faut que j'aille retourner au beffroi. Et là, empêcher les braquages à main armée, 1 sur 2. Du coup, zone suivante. Là, il y a l'histoire principale. Là, on voit qu'il y a un truc en dessous ici. Donc, ce qui serait bien, ce serait qu'on fasse ça. Et ça.
Mais comme je dis là, un peu le souci, c'est que on se trouve dans une situation où. En fait, je peux me laisser tomber là. Eh oui, c'est moi. Salut, c'est moi, Robin. La moindre personne qui détient les informations. Oui, là. J'ai les ailes, je vole, je me téléporte. Surtout. S'il se déplace maintenant là-haut. Allez. Casse-toi. C'est que je prends cher. Hein. Oh, j'ai l'impression que je fais quand même beaucoup de dégâts comme ça là. Oh punaise, ben c'est les drones. Jamais bon signe les drones là. Lance la caméra, ça tape dans le vide. Moi ça me sert pas à grand chose le vide, vous savez hein. En termes d'attaque. Aïe, je fais n'importe quoi. Bonne nuit. Énorme. Énorme. Je l'ai. Ah, je sais pas si Nettie est encore là, mais je lui ai dit. Hein, mais c'est encore mieux si tu lui dis toi-même. Effectivement. Et voilà. Pile ce que je cherchais. Et voilà. Désolé, ça doit faire mal. Ensuite, on a quoi là? On avait vu un truc par ici. Ça vaut pas le coup de se téléporter pour aller plus vite ici. Vivement que la température intérieure de l'appart redescend un peu. Les fichiers, ils devront les écarter. Je vais essayer de pas être vu.
Mais non! Mais c'est absolument pas du tout ça que je cherche à faire, mon petit monsieur. Oh là là. Vous finirez le travail un autre soir. Ça va être chaud, comment je peux faire pour désactiver des plaques de pression? Je sais pas comment je peux les avoir, celles-ci. Est-ce qu'il me faudra obligatoirement Batgirl? Pas motivé s'il faut obligatoirement ça. Voilà, sur le côté, j'en profite pour bouffer un gâteau. Je dirais rien. Chut. À nous deux, camarades. Au suivant. À en croire les propos des régulateurs, ils préparent une grosse opération. Peut-être plus grande que la machine météo. Peut-être que Freeze sait ce que mijotent ses bons vieux associés. Ça vaut le coup d'essayer. Waouh! Pourquoi c'est un vermil très blanc? Les portes là. Vas-y, viens là, toi. Ouais, je sais pas ce qu'il va attendre. Il va falloir faire mieux que ça, les gars. Thank you.
Qu'est-ce que tu fais? Il y en a d'autres qui arrivent. Ouh là là. Ah mais il y a trois vagues. Je prends cher. Ils apprendront jamais. Ça va là, pour l'instant on fait quand même pas mal de dégâts. Si cher là. Donc ça c'est bon, ça c'est fait. Vous êtes libre. Rentrez chez vous. Merci. Merci de m'avoir sauvé. Mission accomplie. J'ai récupéré. C'est pas le meilleur endroit du monde. J'avais planqué, est-ce qu'ils vont arriver les flics après? Normalement quand on termine un truc comme ça, les flics se ramènent. Oh, vraiment, on est déjà allé visiter plusieurs fois le planétarium. Tu vois, c'est un des trucs gavants du jeu. C'est qu'au final, tout ce que t'as fait, en fait, tu dois le refaire régulièrement. Donc on voit que c'est un bastion, et il m'avait pas compté le bastion précédent, donc bon... C'est un peu embêtant. Hop, les flics sont là. Notre destination, c'est par là-bas. Soyez sur vos gardes, Robin. Mais froid, les parias achètent du matériel high-tech au régulateur. Ça doit être pour Harley. Ils doivent fermer boutique. Que ce soit un Robin, je leur fais pas confiance. C'est le seul truc qui nous manque pour le coup de la banque. Les gens, il y a des gens en dessous là. Il y a du monde en fait. Il y a du monde là aussi. Hein. Il part tellement loin quand il descend. Ça en est frustrant à force que t'as vraiment cette sensation que le perso est pas capable de descendre tranquillement. Faut appuyer vraiment sur B, B pour descendre, mais il n'est pas besoin d'aller si loin, sinon tu appuies sur A pour sauter. J'y crois pas que des gens achètent des œufs.
C'était quoi ça? Il s'en relèvera pas cette fois. Soyez prudents, les mecs. Super vilain. Ou alors un truc où on amène ses ex pour les torturer en direct devant tout un public. Des buts ou quoi? Non, mais non. Ben ouais. Oh, je te jure, des fois la maniabilité du jeu est tellement, mais tellement, mais tellement foireuse. Comment veux-tu que je m'en sorte si derrière le jeu fait pas ce que je lui demande? Vous imaginez bien que c'était pas du tout, mais du tout mon but, là, ce qui s'est passé. Aïe. Il a un nouveau supplémentaire. Mince, je saute en plein dans le truc froid. Va falloir bosser de la technique. Il y a des trucs sur les murs, il me semble. Regarde. Voilà qui devrait calmer le Dr. Q pendant un moment. Là, elle est en train de saccager des morceaux de papier. L'instinct qui tag, en fait. Lui est en train de regarder des trucs sur la table, quand on est arrivé. Après, t'avais quelqu'un ici, mais il devait regarder les graphes ou en faire. Hein. Il y en a un qui était sur la table. On les a tués. Ensuite, parce qu'on a d'autres missions particulières qui traînent dans le coin, il y a le pingouin. Des visites au pingouin. Et puis je pense qu'au bout d'un moment, quand tu t'ennuies, tu regardes ce que tu peux, quoi. Imagine, ils sont là depuis un petit moment. Bébé froid. Donc le pingouin est par là-bas. Monsieur le pingouin, je suis là. J'aurais bien voulu voir leur tronche. Gâteau. Ah non, il n'y a pas besoin de gâteau là. Oh zut. Amener des filles du pingouin, il va sûrement donner de nouveau, non? Du coup, on a la suite de défis de pas mal de trucs là.
Vu qu'ils s'occupent comme ils peuvent, je salue justement leur patience et l'observation bien et bon. Du coup, tac. On va aller voir ici. Vous savez plus, on va faire comme. Il faut que je rentre par là. Allez, c'est parti pour la quête. Attention, quête principale, là, je crois. Ouh, les environnements ont l'air jolis ici. Désolé, il n'y a pas lui qui peut aller. Okay. Oh, j'aurais pu partir sur votre 116 aussi. Ah, je suis mieux. Beffroi, je suis dans l'hôtel. Il faut que tu te concentres. Trouve un bon endroit pour espionner la salle de bal. La sécurité ne doit pas te repérer. Alors fais profil bas. Ok. Ça va, je fais assez profil bas là. Sur le bon PC. Ah non, mais le truc ici va pas. Un peu. Dans la main de Thomas Wayne. Vas-y. Il jouait du piano debout, peut-être un détail pour moi ça veut dire beaucoup, ça veut dire qu'il était libre. C'est vrai que c'est de retour pour son live sans terre. Il a repris là. Ça doit être la salle de bal. Je vais sûrement pas faire la queue. Je me fiche de ce qui vous est arrivé. Vous m'aviez promis un cœur.
Je dois assister à ce débat. Mais quand ce sera fini, vous et moi allons avoir une discussion avec mes associés. Vous comprenez ? Mais elle est marquée quand même. Difficile d'appuyer assez longtemps. Tu sais à quoi je pensais. Tous les gens importants de Gotham sont là et je dois me comporter au mieux ou je vais tout gâcher pour mieux. Ouais, c'est tout à fait ça, hein. Comment tu le sais? Parce que tu m'as dit la même chose l'année passée, l'année d'avant et celle d'encore avant. Lourd ? Y a-t-il que... Oh ! On doit être l'entrée. Où il mettrait ça là ? Encore ta stupide théorie. Tu as vu la porteur ? L'hôtel n'a pas de 13e étage. Je devrais pas les interrompre. On va impressionner la voix ce soir, je le sens. Voilà, c'est pas si mal. Et coucou, Skyjo. Comment que ça va là-dedans? Pour le beau messire. Beffroi, les systèmes de sécurité devraient être HS. Cool. Quoi? Attends. Je suis pas prêt, là. J'ai pas la manette en main. N'oublie pas, ces gardes font partie de la cour, alors défoule-toi. T'as comme dans Arkham Knight l'augmentation des coups. Et du coup, quoi, toi, comment tu vas? Hmm?
Ouais, non, mais si, si. Non, mais si, si, ça veut rien dire, en fait, ici. Si, si, mais non, et je t'avoue que moi, j'aime bien quand on est dans les intérieurs et tout, comme ça, il y a plein de trucs à nier. Ils sont très jolis, et. Ouais, belle, la salle de bal, je sens. Voyons voir ce que raconte l'élite de Gotham. Enregistre autant que tu peux. Il nous faut un maximum de données. Vous avez signé le livre d'or ? Comment y échapper ? J'ai des gens à épater, moi. Vous avez vu le gratin qu'il y a ici ? Oui, des sénateurs, des juges, des PDG et même le maire. Regardez ça ! Même dans la mort, Wayne essaie de nous supplanter. Laissez-le profiter de sa soirée. Bientôt, ce ne sera plus un problème. C'est vrai. Nous devrions plutôt célébrer sa mort. Que pensez-vous que ce soit ? J'ai quelques résultats. Ces gens sont différents. C'est tout ce qu'ils ont pu concocter pour le grand Bruce Wayne. C'est vraiment pathétique. Alors, ce sera un vrai spectacle. Des feux d'artifice, des danseurs, des sculptures de glace, la totale. C'est dur à croire que Bruce Wayne soit parti. Je sais. J'espérais être sa cavalière cette année. Comment ça, il peut pas me recevoir ? Je suis quand même le maire. J'ai peur qu'il n'ait pas le temps pour ça. Dites au colonel Kane que je ne renoncerai pas. Je mérite le respect, non ? Bien sûr que oui, Mertzak. Et à tous les coups, Kane, c'est la voix. Tu as entendu pour l'assistant de Langstrom ? Il méritait de partir. Comme Kirk, les gens oublient leur vraie place. La voix se souvient. J'ai quelques résultats. Aucun signe de la voix. Vous êtes déjà allé dans l'escalier est de l'hôtel ? Celui qu'ils ont condamné ? Il serait hanté. C'est ce que j'ai entendu dire. Il y a des bruits, voire des cris. Et des griffures sur les murs. Pas trop cool. En fait, la barre. Parce que là, je suis pas en combat. En fait, j'ai fait ça pour que vous puissiez voir ma vie, même si ma caméra est en bas. Je croyais vous avoir dit qu'une tenue correcte était exigée ce soir. C'est une tenue correcte, ça. Là. Les affaires vont bien. Même très bien. Qui aurait cru que ça nous donnerait à tous un bon coup de cravache ? Pardon de vous interrompre, mais c'est l'heure. Ah, bien sûr. Nous continuerons cette conversation plus tard. En voilà. Je veux plus bouger. Votre attention, j'ai l'immense honneur de vous présenter notre hôte pour la soirée. Un hôte ? Avec un masque de hibou ? Je te parie 10 balles que c'est la voix de la cour. Merci pour votre chaleureux accueil. Mais cette soirée n'est pas pour moi. Nous sommes là pour rendre hommage à l'un des meilleurs fils de Gotham, Bruce Wayne. Oui. Vous connaissez tous le Playboy. Je connaissais sa générosité. Il défendait Gotham de tout son cœur. Même s'il n'est plus là, les nombreuses contributions de Bruce se ressentiront encore pendant des décennies. C'est pour toi, Bruce.
dernier héritier de la merveilleuse famille Wayne. Ton aide a été plus précieuse que tu n'aurais pu l'imaginer. Et puissions-nous, nous, les familles restantes de Gotham, être à la hauteur de ton inestimable contribution. Qu'est-ce qu'il va nous faire là? Qu'est-ce que c'est que ça? Faut que je puisse le suivre là, non? La voix de la cour? Je l'ai trouvée! Tu vas devoir le suivre. On doit connaître son identité. Attends, j'arrive. Voilà, du coup, en fait, pour les jeux, je vais essayer de mettre la barre de vie devant maintenant. Bon, la caméra pour que ce soit un peu plus agréable. Je changerai le visuel et hop, normalement en quelques minutes, on obtiendra quelque chose de plus agréable pour tout le monde. Où la barre de vie ne sera pas cachée par ma cam. Et ça, ça me plaît, ça. Normalement, on devrait être bon, du coup, à ce niveau-là. 20 secondes, je termine ce que je suis en train de faire et je suis à vous. Et un cavalier qui surgit de la nuit, mais ça n'a rien à voir avec Batman. Ça marche très très mal, ce que je voulais. Ça va, monsieur Kofi? J'allais dire, il est pas un peu tôt, mais en fait, s'il est déjà 8 heures, je vois pas le temps passer, c'est terrible. Donc, oui, d'accord, le gameplay, des fois, ça laisse un peu à désirer. Mais j'aime beaucoup l'ambiance. Du coup, c'est vrai que pour moi, pour l'instant, le jeu va encore très bien, mais je me dis que, ouais, au fur et à mesure, j'ai peur qu'il me lasse. C'est comme l'a fait Marvel Avengers, que je trouvais très très cool au début, que sur la fin, que je trouvais pas supportable. Ou Plague Tale Requiem plus récemment. Comment on soit, c'est toi le poteau. Bon, monsieur le chat. Voilà. Et j'arrive du coup. I'll be back. T'as réussi à le finir du coup ou pas, hein? On met la vie pas dessus. Et là, regarde, je fais ça et paf, ma vie apparaît devant moi. Comme ça, j'ai plus besoin de déplacer la cam. Ou dire oui, à droite ça va être chiant, à gauche ça va être chiant. La vie en bas. Monsieur Thomas Fletch. Je demande plus de dionysium pour tenir les délais de production. Je sais bien. Des arrangements sont en cours. Dites-leur que le quota doit être respecté. Pas d'excuses. Merci, monsieur. Putain, il y a une caméra, j'ai l'impression que je peux pas l'esquiver. Première étape, on scanne les Gugus. Deuxième étape, on détruit les Gugus. Ah, mais t'es trop loin, toi? Les coffres, ça a dû les marquer, les coffres, là. Je peux pas me planquer derrière le truc ici. Il faut dormir maintenant, la petite dame. Attends, voilà. C'est Kayox qui a lancé un marathon center. Ou alors j'ai loupé un truc. Coffee. Ouais, c'est ça. J'ai mis une couche alpha pour que ça ne fasse apparaître que la vie. Ah non, c'est pas sur la cam du coup que j'ai rajouté la couche alpha. Qu'est-ce qu'il y a?
Tu sais que je peux pas répondre quand je travaille. Il a dit qu'il pouvait pas répondre quand il travaille. Oui, il y a un truc à lire là, attends. Bonjour. Note de travaux, on ne peut pas continuer la rénovation sans savoir où sont vos câbles électriques. J'ai demandé à une équipe d'aller dans le cache d'escalier pour la découvrir, mais personne ne veut y aller. Ils disent que l'endroit est hanté. Quelle bande de poules mouillées. Il est là le sac. Mais du coup, est-ce que... Bien ça. Bah ouais. Ah c'est le monsieur ici qui est en live. Qui est en live pendant un long moment. Je crois qu'il nous attend lui. C'est à la cour de jouer. Excellent. Rendez-vous en bas. Moi qui nous regarde pour dire alors tu suis ? Passage secret partout. La voie a pris un ascenseur et je peux plus le suivre. Ouais, j'ai perdu le signal ici aussi. On dirait qu'il était entre deux étages quand ça a coupé. Robin, on a trouvé un 13e étage caché sur les plans de l'hôtel. La voie est peut-être passée par là. Je me dis, peut-être à tort, hein, que du coup... Il nous a bien regardé le mec, quoi. Là qui trouve le jeu. C'est assez inégal, ouais, mais de là à dire qu'il est horrible, immonde, ou je ne sais quoi, que c'est un peu hors de café, quoi. Ah oui, parce que je dis café. Comment ça, WZ ? Un matin comme j'aime A. Ah. C'est pas une bonne idée. On sait même pas où mène cet ascenseur. Où est le 13e étage ? Je vois si j'appuie ici. Ça va où ça ? Je ne fais que passer. Oh, des escaliers. Sauf qu'il y avait un truc à appuyer ici. C'est un escalier hanté. Mais le 13, ça porte bonheur. Oh, j'adore ce type d'ambiance. Oh, j'adore ça. Chose, hein, mais oh, j'adore ce type. Beffroi, je suis au 13e étage et j'ai trouvé une porte de la cour. C'est forcément ça. C'est compris. Faites très attention. Ah, c'est le cours, on y voit mieux là. Hein.
Tac, tac, tac. Oh, je suis sûr qu'ils nous attendent. Et Kusaki, bon courage pour le taf, du coup. Mais tu vas pas me dire qu'il n'y a pas un système qui dit bonjour. Tout un étage secret. Qu'est-ce qu'il cache ? C'était le fameux ascenseur. Et donc descendu d'un cran. Plutôt que de prendre l'escalier, on prend l'ascenseur. La cour des hiboux voit tout entre les murs de Gotham. C'est une vérité littérale. Nous bâtissons nos nids parfaits au sein de notre ville parfaite. La vieille voix de la cour sur vinyle ? Ça doit être un pressage unique. Je pense aussi, oui. Faire des bons becs venus tout droit du Québec. Hop. On remercie Eb pour ça. Tandis que nous arpentons les halls de la gloire, la tête haute, nos desseins se cachent dans les murs alentours. Notre cour nous murmure à l'oreille comme Cyrano face à son destin. Je suis toujours un virtuose. Bon, si j'étais la voix de la cour, où est-ce que je serais ? Beffroi, une idée d'où je dois chercher ? Beffroi ? Évidemment, pas de signal. Ce serait trop simple. On dit que la tête du hibou peut faire un tour complet. Pour mieux voir derrière ce qui pourrait approcher pour frapper dans l'ombre. Et je pense que ça... Je vais prendre un message là. Tiens, intéressant. Pratique et caser ça. Et comment c'est propre, même au niveau des reflets et tout. Regarde. On voit l'épaisseur du tableau. On est jusque dans les coups de peinture, regarde. Les reflets et tout. Bonjour toi, je t'aime bien. Moi, je me dis qu'il nous attend, le mec, là. Il y avait déjà des hiboux en fond. Sur ce tableau. Là, ils ont des masques de partout. On les a déjà vus, là, eux. À d'autres endroits. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer.
Bien, tu vois, c'est tout à bien se passer. Alors, on a peur, monsieur ? La réunion est terminée. Je me demande ce qu'il regardait. Bah, regardez ça. Il y a un petit bonhomme par là. Coussildaril aussi. Ça fait plaisir ça de récupérer les sous à la fin. Limite c'est plus agréable dans ce sens là, tu payes plein de trucs, t'es pas content, puis après ils disent hey, on t'en redonne un petit peu. Tout ça là c'est bonus, c'est pour toi, tiens. Elle est passée où la voix là? Claude, du coup. Ah, attends, normalement, Sky Joe, j'ai vu. Kofi, j'ai vu. Thomas Fleck, j'avais vu. Donc, coucou Zaki, coucou Sidari, coucou Charclo. Et d'ailleurs, Kofi, qui ne dit rien, en fait, hein, mais il oublie de nous dire que on s'en stream. Bon, c'est normal qu'elle ne dise pas, mais il y a Hélène aussi qui est en stream. En train de travailler sur un nouveau niveau. Le Kofi qui va partir sur Dragon Quest Monster Joker. Ça ne dit rien du tout, ça. Là, tac, 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 tac. Là, qui d'autre qui a lancé un peu, là? Il y a M-Shenrad aussi qui a lancé il y a quelque temps. Runner Game. En dansant là, j'avanais. De quoi? Il ne vaut pas mieux... Vaut mieux ne pas le dire, ça le fait pas trop. De quoi qu'il fait pas trop? Je suis au Phantom le Charclo, et à côté le mauvais fil. Mais pour le coup, c'est moi qui dis que Kofi part en stream, donc je dis sur mon propre stream, c'est bon, ça passe. Je fais la pub pour qui je veux d'abord. Et de voir si on peut éventuellement... J'aimerais trop qu'il y ait des trucs automatiques là-dessus. Sélectionne le streamer dont t'as envie de parler. Comme Batman, mon hibou. En avis, je vais essayer de lire ça et ça va me dire bonjour. Que faites-vous ici, mon brave? Plans architecturaux, voici les plans techniques d'origine du Powers Club et de l'Orchard Hotel. Contrairement aux plans que la ville a reçus, ceux-ci comprennent des différences cruciales, comme le 13e étage caché de l'hôtel et les chambres secrètes sous le Power Club. Il y a forcément autre chose.
Peut-être que je peux analyser ça, en fait, tout simplement. On connaît les îles de Gotham, là-dessus. A tué Langstrom parce qu'il travaillait pour un autre. Si cet enregistrement n'est pas une preuve, je raccroche le masque. Le nettoyage n'est pas terminé. Vous devez tout détruire, comme si Langstrom n'avait jamais existé. Nous devons faire passer un message. On ne reste un hibou de la cour que tant qu'on est loyal envers la cour. Le souci dans tout ça, comme d'hab, il est difficile de viser. Il y a tellement de noms, des meurtres de gens importants, tu es d'accord, Charles. Des gens portés disparus. Langstrom en fait partie. Est-ce que c'est une liste de cibles pour la cour? Et là, les choses ont mal tourné. Ouvre bien l'œil. Bon. Oh. Voilà, bouillie de l'œil. De verrouiller ce truc-là. gigawatts en termes d'apparition. Et merci pas de tout pour le deuxième mois de sub. Merci pour le cadeau, pour le soutien. Ça va, toi aussi, de ton côté? Comment ça? Attends, d'où est-ce? J'ai une question. Que penses-tu des gens qui disent lurk avec leurs emotes personnalisés sur des lives des autres quand ils n'ont pas parlé avant? Comment ça? D'ailleurs, j'avais une question. Que penses-tu des gens qui disent lurk avec leurs emotes? Leur emote personnalisé. On prend pas Arbre et Atom du coup. Avant tout. En fait, j'aime bien le jeu même graphiquement, je trouve qu'il y a des jolies choses à garder. Et du coup, c'est joli, je trouve. Alors certes, on n'est pas dans l'ancien Batman, Arkham, où t'avais des feuilles partout, des déchets partout, tout était crade, dès que tu te baladais, il y avait les feuilles qui volaient dans tous les sens, et c'était génial. Du coup, ça me manque un peu, ce côté un peu crado, mais l'autre côté, c'est comme dans Fallout, quand tu te balades et que tout est crade, et que tu putain, il y a des gens qui, ici, ils auront moins pu nettoyer, quoi.
Et que c'est pas le truc prioritaire quand t'es dans le post-apo, mais justement, t'es dans le post-apo, t'as peut-être besoin d'un environnement qui soit propre à un moment ou à un autre. Mais non, la majorité du temps, quand tu vas chez des gens dans Fallout, tout est crade, il y a des cadavres dans le placard, mais personne s'en occupe. Et ça, c'est mon premier message, et je suis Kofi. En fait, je pense que, de mon point de vue, ça dépend, il y a plein de choses qui sont faites par maladresse. Je pense aussi que les emotes personnalisés, tu les utilises parce que tu les connais mieux, les tiennes, que celles des autres. Bon, en fait, je pense que ça dépend. Imaginons que la personne en question soit quelqu'un qui surveille vachement qui lurque sa propre chaîne. Tu vois ? Et ça peut être une façon de dire, écoute, je suis plus là. Je passe vraiment l'heure que je suis plus là parce que du coup je vais être en stream moi-même donc en fait le problème c'est que il y a plein de trucs qui sont à la base de très très bonnes actions et de choses de très très bonne volonté qui sont utilisées par des gens malveillants derrière. En fait je pense que les actions sont bonnes au départ, tu vois, sont une bonne volonté, et des gens voyant que ça entraîne la sympathie et tout les réutilisent pour à mauvais escient. Donc après difficile de faire la part des choses entre ceux qui le font avec la bonne volonté sans s'en rendre compte, tu vois, juste parce qu'ils ont envie de discuter, parce qu'ils ont envie de partager au machin, et ceux qui utilisent ce truc, tu vois. Leur journée à essayer de chercher leur prochain repas car ils sont des doigts de mourir de faim pour une. Et à force d'être entourés, les ruines ont fini par s'y habituer. Ah, mais je sais pas, il y a quand même des odeurs de cadavres et tout. Je sais pas si. Je pense que moi, il y aurait demain, on serait en post-apo. Je me dirais, j'aurais peut-être même plus internet, j'aurais peut-être même plus ces trucs. J'aurais envie que mon chez-moi soit mon chez-moi, tu vois, que voilà. Je pense que ça n'existe pas, le vol de viewers, sincèrement. Le vol en lui-même, déjà, comment tu pourrais accepter qu'un vol existe à partir du moment où chaque personne est unique et que pour qu'il y ait un vol, il faudrait qu'il y ait propriété. Tu vois, personne ne t'appartient. Mais là, je sais pas. Ouais, je pense qu'on s'habitue à tout, effectivement, mais. Je sais pas. Moi, ça me travaille à chaque fois. Je me dis, il suffirait d'un coup de balai, et la maison est propre. Tu vois ? T'arrives, tu rentres chez quelqu'un, et là, tu vois un cadavre par terre. Tu dis, bon, c'est joli, mais t'aurais pu le mettre dans une chaise. Je fais quelque chose. Je laisse pas le traîner par terre. On va se prendre les pieds dedans. Bah, en fait, le truc, c'est que. Je pense, patatouf, que ce débat a lieu d'être parce que de nombreuses personnes se sont fait avoir sur dans les relations. Tu vois ? Et en fait, du coup, la problématique, c'est comme on s'est tous fait avoir par quelqu'un ou qu'il y a eu des relations qui nous ont déçus d'une façon ou d'une autre, peut-être parce qu'on avait les mêmes valeurs pendant un certain temps, et puis ensuite, c'est pas que les valeurs ont changé, mais on s'est découvert un truc sur lequel on est divergent et tu ressens ça comme une trahison, tu vois. De quoi Thunder sort de ce corps ? Attends, l'heure. J'ai raté un épisode. Il manque un mot, je crois, dans ta phrase, Lixiviat. J'entreprenais une station d'épuration, c'était insupportable. Je n'y arrivais pas, c'était uniquement dans une seule zone, la zone de compactage. Du coup, j'ai l'impression qu'on est sur le truc à la fois. Du coup, tu me disais, ouais, tu parlais encore du rangement, Lexiviat ? Le fait que tu t'habitues à blinder des choses ? Mais en fait, comme je te dis, je sais pas. Et le problème dans tout ça, c'est que. Ce qui, moi, me titille là-dessus, c'est que. En devenant parano sur les actions, même les actions les plus sincères et les plus agréables, tu finis par avoir des doutes, en fait. Si tu vois ce que je veux dire. Donc, je me dis que de mon point de vue, à partir du moment
où une personne cherche à profiter ou cherche à avoir un avantage, tu vois, je me dis que c'est son problème, en fait. Moi, je donne ce que j'ai envie de donner. Si la personne le fait avec de mauvaises intentions, c'est son problème à elle, tu vois. En gros. Je me dis, c'est elle qui veut griller les étapes, c'est elle qui veut jouer selon des règles qui, de toute façon, ne me plaisent pas, mais c'est... Voilà, c'est comme les gens qui sont accusés de bots, ce genre de choses. Donc, pff, qu'est-ce que j'en ai à foutre, tu vois. Ils ont envie de jouer de cette façon-là. C'est vrai que c'est injuste parce que tu te dis, t'as travaillé, t'as donné du mal pour arriver à monter tout ça. Et toi, tu n'as pas utilisé ces techniques-là, tu vois. Mais du coup, ça te frustre. Mais justement, tu es arrivé là sans avoir utilisé ces techniques. Donc l'important, c'est le chemin que t'as parcouru vis-à-vis de ça. En fait, c'est frustrant quand tu te vois galérer et ces gens ensuite partir plus loin que toi. Et tu te dis que c'est pas juste. Que si quelqu'un triche à l'annonce à gagner, tu te dis que c'est pas du vrai gain. Tu vois, comme quelqu'un qui aurait une bonne note à un contrôle alors qu'il a pompé, tu vois. Et donc, voilà. Je sais pas. Là-dessus. Oui, mais justement, il y a une évolution là-dessus, je m'en souviens, ouais, de ce peuple. Enfin, de ce peuple, cette partie du monde qui ressort ses cadavres pour faire de la fête des morts, ou ce genre de choses. En fait, je suis pas d'accord avec ça. Les anomalies qu'on trouve dans leur maison. Ouais, je sais pas. T'as raison. Moi, je sais pas, ça me travaille. Des cadavres aussi. Ouais, pour moi, il y en a un quand même. Je trouve ça trop bordélique. Même moi qui ai un bureau un peu bordélique, tu vois. Bon, je dis un peu, mais pour des gens, c'est énormément. Aux yeux des gens. Mais je sais pas. Je pense même que j'aurais tendance à vouloir être plus propre dans un monde post-apo que dans le monde actuel. Je sais pas, après, on n'y est pas et on le vit pas, quoi. Chacun ses pratiques, ouais. Cette idée, c'est-à-dire Zaki. L'idée de sortir des cadavres pour danser avec, oui, parce qu'on l'a jamais fait. On aurait grandi dans un monde comme celui-ci, en fait, ça ne choquerait pas non plus. Tu vois ? Et t'as des gens aujourd'hui que ça choque pas, hein. Que ce soit tous les gens qui s'occupent de comment dire. Tu vois, par exemple, les personnes qui sont aides-soignantes, etc. Tu dis, ouais, mais attends, nettoyer les corps comme ça, tu dois voir des trucs assez bizarres, et t'as pas l'impression que c'est. Voilà, et en fait, quelqu'un m'avait dit, non, mais en fait, au bout d'un moment, quand tu commences à faire ce boulot, tu les considères plus vraiment comme des humains, c'est un peu comme si tu lavais un meuble, en fait. La discussion, ce genre de choses, mais ça a plus l'aspect voir un autre humain nu, c'est. Et encore, je suis pas sûr que la nudité soit poussée là-dessus, tu fais ton boulot. Je disais, moi, j'aurais quand même du mal. Je disais, ouais, mais au bout d'un moment, tu le vois comme un. Comme, non pas comme un être humain nu, mais comme autre chose, quoi. Mais coucou, c'est pas l'heure. Si je comprends bien, moi, le mieux, c'est de rien faire. Comment ça? Le mieux, c'est de rien faire par rapport à ce qui se passe. Mais après, c'est toi qui définis les limites, en fait. Le problème, c'est que. Tu prends un risque, je pense, si tu veux en parler de ce genre de choses, Arboriatum. C'est-à-dire que si tu commences à en parler à la personne concernée et que son intention était bonne, ça va la frustrer et ça risque de la renfermer sur elle-même et du coup d'engendrer une conséquence néfaste dans le sens où si c'est fait avec une bonne intention, ben, cette personne va devenir aussi venimeuse, tu vois, parce que ben, du coup, méfiant, tu vois. Ça sort un peu de la... De comment dire... De la naïveté, en quelque sorte, quand tu dis à quelqu'un qu'il y a un truc qui va pas. Ça va bien, ouais, discussion bizarre. Mais du coup, ouais, je. L'historique de l'architecture de Gotham. La cour en fait, contribué à tous ces bâtiments. C'est le tribunal. Je m'étais un peu agacé, enfin pas agacé, mais des choses me titillent de plus en plus que. Sur le mur sont les années où chaque endroit a été construit ou rénové par une société de la cour. Ok.
J'ai cette impression que y a un truc qui... c'est toi qui définis les limites, exactement. Mais comment vas-tu d'ailleurs, Schaeffer Smith? Mais... Non mais c'est important qu'on discute, on est en stream, on peut en parler, il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, mais en fait, tu vois, par exemple, ces derniers temps, j'ai entendu beaucoup parler de tout ce qui est botting, embed, etc. Et en fait, ça me dérange énormément parce que moi, j'ai commencé par de l'embed. Parce que, voilà, à l'époque, j'avais pas le droit d'aller streamer sur d'autres plateformes, j'étais normalement limité à Dailymotion. Et en fait, Dailymotion était en train de mourir et j'ai fini par streamer sur plusieurs plateformes à la fois, qui étaient YouTube, Twitch, etc. Et tout était exporté sur mon blog, j'avais monté un blog. Et sur ce blog, en fait, tout le monde passait par le chat du blog. J'avais installé un chat sur le blog, en Ajax ou je sais plus quoi là. Et les gens créaient un compte sur le blog et discutaient sur le blog et je lisais pas le chat de Twitch, de YouTube ou autre en fait. Donc, mais c'était mon blog. Du coup, je faisais une intégration sur un site qui m'appartenait. Mais si quelqu'un suivait mon stream sur Twitch, il disait punaise, le mec il a 10 viewers, personne ne parle dans le chat et personne n'est connecté nulle part. Triche, tu vois, et du coup, voilà. Et encore une fois, l'embed normalement n'est pas compté pour tout ce qui est atteinte, enfin, pour tout ce qui est statut d'affilié ou de partenaire. Normalement, et toutes les techniques ont été utilisées. Il y a une époque, des gens faisaient des gros sites internet, par exemple, imagine, je sais pas moi, un site sur Warcraft, et sur leur page d'accueil, en bas de la page d'accueil. Mais comme la page se charge en entière, voilà, ils mettaient 4, 5, 6, 7, 8 vidéos vues sur la page en tout. Dailymotion, elles se lançaient toutes, ça faisait des pubs, et du coup, l'utilisateur chargeait les publicités en boucle, ce qui fait que ça rapportait beaucoup d'argent. Donc voilà, mais je pense que là-dessus, c'est très compliqué, parce qu'on va tous se bouffer les uns les autres si on commence vraiment à douter de chacun et des intentions de chacun. Et si vous faites avoir, bah vous vous êtes fait avoir. C'est, le problème, c'est pas vous. En fait, le problème, c'est la personne qui aura décidé de profiter d'une situation ou de vous ou machin. Ne donnez jamais plus que ce que vous avez envie de donner, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, de toute façon, t'avais pas l'intention de donner plus et que t'as pas fait d'effort ou que t'as pas participé à un truc contre ton gré, normalement, il devrait pas y avoir de soucis là-dessus. La mairie. Ok, j'ai compris. Le commissariat du GCPD. Alors attends, est-ce que je peux récupérer les infos de création 1836, 1877, 1842, 1841. Donc on commence par 1836, c'est-à-dire celle-ci. Ensuite nous avons 1841, 1842, c'est ça hein. 41 c'est l'espèce de tour carré. Ensuite, on a 1842, c'est ça. Et ça, voilà. C'est carrément par là. En contrôlant ces bâtiments, la cour tient les rênes de tous les centres de pouvoir de Gotham. Pas étonnant qu'elle soit si puissante. Bien sûr. J'aurais dû me tromper, c'était vous. Bon, en fait, je pense aussi qu'il y a un truc... Et coucou, Vinkinked. Il y a un truc qui est vachement important dans ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on est très vite mal à l'aise, on peut très vite avoir peur de plein de choses. Ne serait-ce quand tu vois, par exemple, un réflexe, quand tu vois une situation se tasser, que ce soit une perte de sub, une perte de follow, une perte de vue, par rapport à tes statistiques habituelles, tu commences un petit peu à t'inquiéter quoi qu'il arrive. Ne serait-ce que parce qu'on est humain, et en fait, t'as toujours peur qu'une situation... En gros, voilà, si tu commences à gagner une fois au casino, tu te dis que ça va continuer, que tu vas continuer à gagner, et si tu perds, tu risques de te dire « je vais peut-être perdre », tu vois, par la suite, ou « je vais continuer à perdre ». Et du coup, souvent, tes viewers, ça fluctue, en fait, tu vois. C'est-à-dire que ça peut monter, descendre, etc. Tu peux avoir une période où tu vas descendre de 30, 40, 50 viewers. Et puis la période suivante, tu vas monter de 60. Tu sais pas trop pourquoi et comment ça fonctionne. Du coup, je pense que quand t'as peur, déjà, dans une situation-là, rien que pas avec ça, c'est pas bon d'avoir peur des uns des autres, en fait. Et s'il y a des gens qui trichent, s'il y a des gens qui font des conneries, s'il y a des gens qui font ça par intérêt, s'il y a des gens qui ont un comportement dégueulasse, ils sont le problème. Donc... Mais le souci, c'est qu'en partant du principe que ces gens-là existent et que du coup, on n'est jamais à l'abri que ces gens-là profitent de nous, en fait, on devient tous parano les uns envers les autres et en fait, la moindre action commence à être jugée, on commence à se tirer un peu dans les pattes, ce genre de choses, tu vois.
Donc il y a un danger, je trouve vachement important derrière tout ça. Pas crevé. Non, je le fais tous les jours, Vinkinken. Alors, j'ai souvent des coups de barre, mais n'importe qui dans sa journée, en fait. Et normalement, je fais 21h-10h tous les jours, Vinkinken. Enfin, sauf la nuit du mardi et mercredi. Et sauf événement spécial. Mais là, du coup, on va loin, Lexiat. Effectivement, ça fonctionne bel et bien comme ça, je suis assez d'accord avec toi, mais... Comme d'habitude. Mais ouais, pour moi, faut vraiment faire gaffe à ce qu'on fait et comment on présente les choses, parce que... en fait, ça fait 15 ans que je fais des vidéos et ça fait 15 ans que je vois le même discours de « il y a les vrais et il y a les faux ». Il y a les gens qui sont là parce qu'ils aiment ce qu'ils font, les gens qui sont là parce qu'ils sont intéressés, etc., etc. Et du coup, le souci, c'est que, en fait, j'aime bien prendre cet exemple, mais c'est un peu comme si tu étais en train de jouer à des jeux vidéo, il y a des gens qui préfèrent le speedrun et il y a des gens qui préfèrent le slow run. Les gens qui préfèrent le speedrun te diront « oui, mais il y a le scoring et le finir, c'est quand même un sacré challenge ». Et les gens slow run qui te diront « ouais, mais tu profites pas vraiment de ton jeu, tu le fais trop vite ». Le connaîtra par cœur, certes, ça te permettra d'aller vite, mais en allant lentement, tu le découvres, tu le savoures. C'est un peu comme les gens qui mangent vite et les gens qui mangent lentement. Les deux apprécient la bouffe. Et du coup, les deux s'opposent en disant qu'ils ont la meilleure façon. Et si les gens font une chose différente, c'est que du coup, ils n'apprécient pas autant l'activité que eux. Bon, parce qu'on nous apprend à vivre comme ça, je pense, dit Mykov aussi. On nous met en concurrence très tôt. Le portrait d'un ancien membre de la cour des hiboux, en se fiant au style et aux vêtements, cette peinture date du XVIIIe siècle. L'objectif de la cour est de rester anonyme. Ce membre ne peut donc pas être identifié. Oh, c'est beau. Joli truc. Oh, les hiboux là-haut. Oh, pardon. J'aime bien comme ça ici. La vie perso. Parce que c'est le speed exploit. Alors là, je t'avoue que moi, je suis passé à une 3080, c'est pas précisé. Parce que comme je disais quand je t'ai répondu, j'ai pas mis à jour le document depuis très très longtemps. Faut que je finisse un jour de mettre le site à jour et tout. Mais je suis passé sur une 3080. Mais elle tient encore très bien la 1070, hein, je trouve, quand je l'avais. Moi, je suis juste passé pour le RTX. Gotham est un moteur de progrès. Un hymne au pouvoir des hommes et de l'argent. Une utopie que nous avons bâtie. J'aime beaucoup le jeu, mais il est possible que je m'agace avant la fin et que je déchante en fait, quelque sorte. Oh. Masque de la cour d'hibou. Les matériaux, la fine couche de poussière sur ce masque indique qu'il a servi pour la première fois il y a plus de 30 ans. Contrairement au masque actuel de la cour, celui-ci ne possède pas de couche protectrice qui l'empêche de se craquer ou de se briser. Non, mais du coup, elle a pas l'RTX. Et donc, ouais, j'aime beaucoup le jeu, mais j'ai des soucis avec les déplacements, par exemple.
et les trois choses qui me titillent un peu dans le gameplay. Et rien qu'il soit véritablement grave pour l'instant, mais je me dis sur la longue, par exemple, je commence à en avoir marre de visiter les mêmes lieux en boucle parce que les crimes se refont dans les mêmes lieux. Alors autant qu'on saute dans une ruelle lambda, on s'en fout. Mais par exemple, imagine qu'il y a un stade et que tu dois revenir 10 fois dans le même stade. Le stade, tu l'as vu en fait, c'est un lieu qui est quand même notable, que tu reconnais visuellement. Et là, ça crée une répétitivité, parce que t'as l'impression de revenir toujours au même endroit. Il faudrait que j'essaye. Le jeu où tu peux péter les trucs là, avec plein de pixels. Aux malheureuses souris piégées pour notre plaisir, puissent-elles savoir sans vraiment comprendre cette simple vérité ? Nous contrôlons tout. Non mais la 1070 elle tient bien. Les 1000 elles tiennent encore très bien je trouve. Tu peux très bien aller à la bourrin avec Inkel, t'as pas que ce personnage là. En fait ce perso là est un des plus discrets mais tu peux varier entre 4 persos du coup. Et chacun a son propre fonctionnement. I'm back. Et merci, messieurs Oncle Sam. J'ai vu que t'avais repris et tout. Enfin, que t'avais repris. Que ça avait être à la galère au niveau du boulot. Comment qu'il va, le monsieur ? Regarde tes sourires, non ? Je t'ai vu hier sur. Alors c'était pas Horizon. T'as joué hier par contre, c'est sûr. Bon courage, Mistibou. J'espère que ça va ce matin d'ailleurs. Je t'ai même pas demandé comment ça allait au niveau du de la glycémie et tout. Attends, patatouf, j'avais dit bonjour, Inkinkel. T'es adorable. Même plus. Comme d'habitude, quoi. Frustration. Et puis cette voix aussi. Je croyais que vous vouliez parler. Marchez jusqu'au tableau. Et mourrez. Et en fait, tu vois, c'est un truc qui me déplaît, c'est quand quelqu'un arrive et dit que le jeu est immonde. Je suis tellement pas d'accord, je trouve que le jeu a... Tu vois, t'as l'impression que tout est plastifié en termes de texture, mais... Mince, qu'on regarde la table. Avec les effets de verre et tout. La petite plume. Y a quelque chose quand même. Tu vois, c'est juste que t'as l'impression que quelquefois les textures elles sont plastifiées. Ça fait un peu bizarre. Mais on peut pas appeler ça immonde ou moche. What? Ça s'était pas arrangé du coup? J'ai pas le souvenir de ça, moi j'ai rien capté. Du coup, retourne dodo, là. N'hésite pas à m'envoyer un message pour me tenir au courant. Et bah en fait, après, c'est assez inégal quand t'es en ville et tout, mais... Je sais pas. Je trouve que les gens sont violents avec ce jeu. Il y a des moments où il y a des défauts, certes, mais bon. Vous avez réussi. Mais sans l'aide de personne. Vous tentez de détruire Gotham. Je resterai pas les bras croisés. Détruire Gotham. Nous essayons de la sauver. De préserver sa gloire. Je sens que vous avez en vous le potentiel de faire la même chose. Vous parlez comme si vous étiez pas un monstre, caché derrière un masque. Le seul à se cacher derrière un masque, c'est vous. Tim. Jacob Kane ? Et comment vous savez ? Je sais. Mais t'es sûr ?
Tout comme je savais que mon neveu Bruce jouait au gardien de la paix dans son pyjama blindé. Vous en faites pas, j'ai rien dit. Par loyauté envers Martha. Nous avons tous des doubles vies à vouloir sauver la ville du chaos. C'est juste que notre cour est bien plus discrète. Les gens de Gotham ne sont pas des pantins. Quand ils sauront que vous avez tout manigancé, ils apprécieront pas. Oui, Batman aurait sans doute dit la même chose à votre place. C'est pour ça que j'en ai jamais parlé à Bruce. J'en étais sûr, quoi. Nous avons le même but. Les mêmes adversaires. C'est du gâchis de ne pas nous rejoindre. Sauf que Robin ne tue personne, lui. Nos stratégies diffèrent, je dois l'admettre. Après, vous êtes... il n'y a rien, aucune obligation de prévenir, mais du coup, voilà. Vous assassinez pas mal de vos amis. Kirk Langstrom, son assistant... Ceux qui ont décidé de nous trahir connaîtront la souffrance. Langstrom a trahi la cour. Non, il n'est pas soudain, aussi. Bruce protégeait cette ville avec sa fortune. Vous, vous luttez pour vous. Il aurait jamais accepté ça. N'invoquez pas mon neveu contre moi. C'est ça, Sancho. Bruce me manque. Je veux des réponses sur sa mort, exactement comme vous. Je ne suis pas comme vous, Jacob. Entendu. J'ai protégé Bruce, mais je ne vous protégerai pas. Si vous voulez pas nous rejoindre, vous connaîtrez le même sort que Langston. Alerte, attention ! On nous attaque dans la salle de bal ! Ils ont surgi de nulle part ! J'ai d'autres problèmes à régler pour l'instant. Restez hors de mon chemin. La suite ne va pas vous plaire. Ah, on est dans un ascenseur? Attends, non, sérieux? Oh non. Je dois retourner à la salle de bal. Ok. Et ça te plaît? Ça continue à te plaire, Horizon? Ah! Non, je crois pas qu'il y ait eu un message précédent, celui-ci. J'ai vu ton message pour le resub, du coup. Dans le train. Vers du repos, j'espère. Et du coup, oui, il me semble que je t'ai vu sur Horizon. Ouais, non, mais ils sont classe, leurs vêtements, leur style. Débuto à 9h, et si j'arrive pas à le joindre, j'ai rendez-vous à 11h à l'hôpital. Ok. Ouais, j'espère que tout va bien se passer. Mais il vaut mieux pas spoiler, effectivement. Et déjà le Viking Dead. Bon bah allez, baston. Tu n'es qu'une victime de plus. Aïe. Monsieur, il va falloir prendre peur. Voilà. Il reste qui là? Ah, plus personne? Oh, c'est triste. Et qui sont pompés? Oui, il y a des chances. Je sais pas s'il y a tellement effectivement de variations de d'histoire entre les comics même. Attends. Il est temps de jouer les pianos. Ah, oh, cette délice. J'ai trop hâte, j'espère que ils vont vite me répondre sur GOG et qu'ils me diront « T'inquiète mec, Papercut, on te l'envoie. » Et du coup, comme ça, je pourrais jouer à Papercut. Et j'ai beaucoup aimé, moi, le 2. J'ai été surtout impressionné par certains éléments, les choix que tu fais, la façon dont ça implique des changements et tout. C'est pas des changements, ouah, genre, ouah, ça change le monde, mais... je sais pas, il y a quelque chose qui est très très cool avec ça. Mais du coup, vie.
ressort par là. Non, non, non. Des nouveaux ennemis. Bonjour, la Ligue des Ombres. Tchouf. Allez, Robin. Mais quoi, on a de nouveaux invités à la fête. On dirait bien la Ligue. Entendu. Ils sont concentrés. Fais ça, tire-toi. Attends, attends, mais non, mais il s'est barré maintenant. C'est bon, j'en ai eu un. Il n'y a plus d'ennemis, c'est réglé. Donc la Ligue des Ombres est capable de faire la pchou. Désolé. Et c'est le Seven qui pique. Team Drake. Ouais, celui-ci c'est Robin, effectivement. Bon, ils ont tous un petit peu eu le nom de Robin, mais normalement, lui, c'est un peu le dernier Robin. Genre, là, dans le jeu, on a Batgirl, Robin, donc Red Hood, Jason Todd et Nightwing. Désolé, attends-toi. Non, tu restes. T'attaches. J'ai pas... Si je te donne un gâteau, tu restes. Quoi, les ennemis pire que la cour des hiboux? Je sais pas. Et coucou Furious Teacher. Que la force soit avec toi pour la formation. J'ai envie de te dire, formation de quoi? Et vas-y, tu sais quoi, ce qui serait trop cool, c'est que là, j'arrive à me tenir à ce rythme-là. Genre, on fait 21h, tu vois, genre, quand j'ai fini le tour des streamers, jusqu'à 2h, on fait du jeu vidéo. De 2h jusqu'à 5h, on fait du dessin. Ensuite, peut-être de 5h à 6h, je fais de l'apprentissage, je prends un cours de quelque chose. De 6h à 8h, on fait de nouveau du jeu vidéo, ou pas. Et de 8h jusqu'à 10h, on fait du papercraft ou du Lego. En plus, c'est les McVities. Regarde, c'est bon les McVities. C'est les McVities originales. Là, ça fait un gros paquet comme ça avec plein de gâteaux. Et c'est avec de la surface en chocolat. Ils sont trop bons et pas trop chers. Pas trop. Dick Grayson qui devient Nightwing. Le deuxième, c'est Jason Todd aka Red Hood. Le troisième, Tim Drake qui deviendra Red Robin. Non, il y a un cinquième, Damien Wayne, le fils de Bruce et Talia al Ghul. Lui est compliqué, il me semble. Hein. Il est chiant. Et The Robotic Junior. Oh, putain. En général, quand on fait des courses, je prends 3 paquets. Plus actuellement 1200 grammes de pâte tartinée, plus des stickers. Bon courage, du coup, pour les stickers. Du coup, monsieur le Félix aussi, comment ça va? Et du coup, voilà. Attends, faut que j'ai... À partir du principe que c'était par là, d'accord? Non, ça, c'est là où j'ai tabassé des mecs. Mais j'en ai tabassé partout, là. Bon, y a moins de cadavres par là, donc on va aller par là. Bonjour, messieurs. Enfin, pouvoir revoir la salle de bal. Oh, tous ces gens mondains, là, qui sont fait schtroumpfer. Oh. Des fois, ça ressemblerait tellement à des artworks, quoi. Et on peut mettre des effets peinture avec des tableaux et tout. Ah, je peux pas aller assez loin. Ah bah ça a bien changé la salle de bal. Oh, le plafond bleu comme ça, qu'est-ce que j'aime ce genre de couleur. Tu vois, j'aimerais bien que ce soit comme ça chez moi. Qu'il y ait un plafond bleu comme ça là, quand tu éteins les lumières, que ce soit tout bleu.
ça me plaît. Et en train de tuer tout le monde, c'est atroce. Là-dessus, là. Un moment chat. Non, parce que le moment chat, après, il demande des royalties et tout. Ouais, bon appétit. C'est la vie. Enfin, ça dépend des gâteaux, genre les Pimms, pardon, mais... C'est surcoté pour moi, les Pimms. Mon père adore ça. J'ai goûté, c'est pas bon. Oh bien le bonjour, camarade, qui lentement prend son arme, afin que nous puissions discuter pleinement. Tu te calmes, toi, oui ? Aïe. Aïe, oh là, qu'est-ce que tu fais là? Chaque chose en son temps. Tu. Toi, tu es ma proie. Aïe. Aïe! J'ai dit tu m'as quoi? C'est bon, j'avais déjà rafraîchi ma vie. Voilà. C'est qui ça? Eh oh! L'échange est rare! Voilà. Oh. Je suis où? Ah, je sais pourquoi. Attends. Ça aurait de quoi faire des très jolies photos pour un combat. T'es où? Bah écoute, Germaine. Non. Faut pas faire schtroumpfer les robines. Le GCPD va pénétrer dans l'hôtel. Je vous suggère de déguerpir. De Poudlard, c'est tout. Oh, je suis sûr qu'il y a moyen de s'arranger. Il suffit de vivre dans un casque vert et c'est bon. Bruce Wayne le plus connu, il y a son père Thomas dans le Flashpoint. Il y a Dick qui prend la cape quand Bruce est paralysé après son combat contre Bane. Qu'il disparaît pendant une grosse baston dans Infinite Crisis, me semble. Il y a aussi James Gordon dans One Shot qui met le casque, la cape. Il y a aussi Alfred qui met le costume, Azazel aussi, et je crois que le fils de Lucius Fox aussi, mais je suis pas sûr. Sans oublier Terry McGills de Beyond. Waouh. Ah mais les mon chéri, je pense que c'est un truc très très intéressant. Je pense qu'il est très très intéressant d'étudier les voyages des mon chéri. Je pense qu'il existe une sorte de culte où en fait les gens offrent des mon chéri à des gens parce que c'est cher. Que ces gens qui reçoivent les mon chéri ne les aiment pas et les offrent à d'autres personnes qui ainsi de suite, tu sais, ça retombe chez toi qui les aime en fait, tu vois. Parce que les gens se disent, oh, il en a offert, il devait aimer ça, et hop, et en fait, les mon chéri que tu avais acheté finissent par arriver chez toi, tu vois.
Par exemple, mon père est une personne qui aime les mon chéri. Du coup, il en a chez lui. Mais je pense que c'est un truc comme ça. Et donc, Coco qui ravage. Et bonne famille, désolé. Ah, bravo, hein. Petit flou, je suis flou. T'as vu, on voit les tendons à l'intérieur de ma main. C'est quand même vachement bizarre, non? Regarde. Regarde. Là, c'est pareil chez tout le monde. On voit les tendons chez les gens? Dans la main? Ou c'est juste moi qui suis mal foutu? Normalement qu'on les voit, tu vois, à l'extérieur, c'est normal, plus ou moins, mais à l'intérieur. Et les mon chéri, non mais qui aime ça? À part le bidou, je suis quand même pas mal sec, je pense. Hein. Allez, hop. Montoya, c'est Robin. J'imagine que vous êtes au courant pour l'hôtel. Un parler vieux, comment j'étais ça là. Ah. J'ai tout vu. Vraiment? Et ça vous dérangerait de me dire qui sont les assassins? La Ligue des Ombres, une organisation secrète qui... Non, en fait, je vais vous envoyer les fichiers. Vous verrez bien. On a une Montoya, du coup. Attends, mais en plus, là, j'ai l'impression que l'environnement était presque deux jours. Bon, il n'y a plus rien à voir, là. Attends, s'il y a ça. J'ai été nul. Bien. Yeah. What? J'étais là, là. Je pense à faire des screenshots comme ça pour les multis en rediffusion YouTube. Là, ça c'est pas normal comme couleur. Le ciel est en feu. Non, c'est une lune de sang. Ça veut dire que tous les zombies vont arriver et qu'ils savent exactement où on est. The sky is on fire, fire. The sky is on fire. Ouais, je sais, c'est pas ça la chanson, mais ça marche quand même. Robin Kiki, roue arrière. Pa 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 pa. Pardon. Il est 9h du matin. Vas-y, faut que j'apprenne des trucs et tout là. Et faut que je réponde aussi à au monsieur qui m'a proposé une OPSP et tout. Parce que hier j'ai pas eu le temps, il s'est passé des trucs. Oh, ça c'est joli, ah bah ça fait très Big Ben, j'aime bien la cathédrale. Pardon, je vous coupe le passage, merci, on laisse passer Robin, priorité au Robin et au Batman. Bon, il n'y a plus de Batman, mais Robin, oui.
Peut-être que d'ici ce serait encore plus cool. Attends. Pas grand chose, c'est un peu nul, mais c'est pas grave, on prend quand même. Et j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose, mais c'est moi qui peux craquer. Alors attends, je crois que c'était par là, hein. Il y avait deux Gugus avant ici. Puis-je suggérer une approche discrète? Si on vous voit, tous vos fichiers seront suspects. Je vais essayer de pas être vu. Je sais pas si je peux désactiver les plaques à pression. Et toutes les caméras. Ok, c'est temporaire. Ouais, tant pis. Ça s'est relancé entre temps, je crois. Oh, j'aime bien ce petit bleu là, ici. C'est joli, les petits bleus. Mais Damian, c'est pas un petit con? Il me semble que j'ai lu dans un comics là. Il avait pas l'air d'être très agréable, justement il croise Robin et il veut tuer Robin et je sais pas quoi pour prendre la place en disant que c'est lui le vrai fils et machin chose. Je sais plus comment il fonctionne, le petit homme était pas très cool moi je trouve. Genre une petite fessée ça lui ferait pas de mal. Et dans la BD je me souviens, Batman il était à la chasse de quelqu'un. Et enfin il chassait quelqu'un et puis le mec il l'a décapité, il a ramené sa tête. Et du coup, il... Ah si, c'est un petit con. Ah, j'aime bien. Vous êtes trois personnes à avoir posté exactement le même message. Alors, je sais pas si c'était voulu ou pas, ou si vous avez fait un copier-coller de ce que vous avez dit les uns les autres, mais je trouve ça fabuleux. Sancho, Salman Kipik et Wappy Max, exactement la même truc. Si, si, c'est un petit con. Mais je te jure, vous l'avez écrit. Exactement pareil, encore j'ai l'impression qu'il n'y a même pas d'écart en fait, hein, entre les pseudos et tout. C'était magnifique. Ça c'est synchro, tu vois, ça vient du cœur. C'est... Oh là là. Je trouve ça formidable d'un coup là. Le verdict est unanime. Mais il évolue un peu auprès, parce que moi la seule fois où je l'ai vu, c'était effectivement un petit con. Hein, donc... Non mais là, la sentence est tombée. La sentence est irrévocable. Oh, t'es trop mignon, tu as... Oh, regardez-moi ce chat comme il est mignon. Bonjour, je suis quand même un chat qui a la tête dans le cul et la tête de travers. Mais tu sais quoi, il est mignon, quand même. Si je fais ça, hein, ça. Et ça. Oh, regardez-moi, c'est exactement la bouille que j'ai devant les yeux. Regardez-moi ça. Oh, tu sais, l'artefact, c'est pour la vie. Et les travaux, monsieur. Ils vont. Vous avez vu comme il est mignon? Est-ce que c'est pas un chat de qualité, ça, mesdames et messieurs?
C'est vrai? Du coup, alors... Crime déjoué. 2 difficultés très faciles, 1 difficulté facile, 7 difficultés normales, ce qui est plutôt pas mal. Objectif bonus terminé, 2 citoyens sauvés. On n'a pas sauvé de citoyens du mec du CPD. Merde, j'ai pas cliqué sur mon truc, je crois. Le massacre de certains de nos meilleurs éléments à leur carte d'hôtel est un nouveau déshonneur pour Gotham. Il est temps que les vrais héros, le GCPD, s'imposent et rétablissent l'ordre dans notre ville. Il faut la reprendre. Manger les chips. Étonnamment, la commissaire Kane ne correspond pas aux voix récupérées. Hey! Ah, c'est dégueulasse. Peut-être pas partie de la cour, mais il n'empêche qu'elle pourrait quand même l'aider. Elle a quand même épousé Jacob. Catherine ignore sûrement tout du secret de son mari. Je connais bien Jacob, et jamais je n'ai eu le moindre soupçon à son égard. Ce salopard a bien trompé son monde. Même Bruce. C'est ceux qu'on a identifiés au gala. John Wycliffe, Isabella Haas, Maria Powers. Tous ont été tués à l'hôtel par la Ligue. Le colonel Kane est le seul survivant confirmé, et sûrement la vieille Cobblepot. Mais on n'a pas de ses nouvelles. Et la cour n'est sûrement pas composée que de Jacob Kane et Constance Cobblepot. La voix toute puissante avait raison, pas vrai? Personne ne croira que Constantine tire les ficelles de Gotham depuis si longtemps. Mais les gens croiront que Jacob Kane a fomenté le meurtre de Langstrom. Et on a suffisamment de preuves solides. Donnons ça à l'inspectrice Montoya. Voyons si ça suffit pour qu'elle monte un dossier. Je veillerai à inclure la liste des membres identifiés, morts ou autres. On doit rester sur nos gardes. Jacob attend sûrement qu'on tente quelque chose. On devrait parler à Talia. La cour et la Ligue semblent décidées à s'y triper. Alors préparons-nous à être pris dans leur tir croisé. Tu vois, j'aime bien leur musique, j'aime bien leur ambiance, la façon dont ils racontent les trucs. Je trouve que le jeu est quand même fait avec beaucoup d'amour pour voir que c'est pas forcément... que ça peut être un jeu de commande, ou je sais pas exactement sur quoi ils sont partis. Je sais pas. Je trouve qu'il y a un truc qui est cool. Pas vraiment de cadeau à la ville. Ça va déjà assez. Mais c'est pas abouti. La cour et la Ligue sans que les flics viennent en rajouter. Nos nuits risquent de vraiment se compliquer. Oui. Et c'est parce que je dirais rien. Il a réussi à mettre une vache dans la Batcave. Hein? Selon les rapports de police, le GCPD n'a pas trouvé un seul cadavre de la Ligue à leur char d'hôtel. Ils ont dû les récupérer avant l'arrivée de la police. On a retrouvé des empreintes? Du textile? Un ADN? Il y avait des centaines d'invités à l'hôtel, sans compter le personnel et la presse. Il faudrait des mois au GCPD pour tout analyser. Et encore, je suis optimiste. Bien, l'optimisme. L'optimisme. Ça en fait les choses, hein. Oh, encore un contre-la-montre. Non. Laissez-moi tranquille. Une bête vache. À quel petit con. Ah non, mais le coup, limite, ça aurait mérité un screenshot, ça. Le coup des 6-6, c'est un petit con. Talia nous avait prévenu. Je trouve ça fabuleux. D'habitude, la Ligue préfère œuvrer dans l'ombre, mais cette fois, elle a voulu transmettre un message. Ils en ont après la cour. Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas éliminé toute trace de corruption à Gotham. Ah, la fameuse partie. Nous y voilà. Alfred vient de tomber en plein dans le piège de Robin.
Échec et mat. Mat en deux coups. Quoi ? Mais comment ? Vieille tactique. C'est comme ça qu'Alfred gagne. Montrez-moi. Robin doit trouver sa méthode pour gagner. C'est quoi cette conversation ? Ah oui, parce qu'il dit les couleurs. Robin trouve ça plus dur comme ça. J'aime bien les mini-histoires comme ça qui accompagnent la principale et qui te racontent des trucs que je trouve intéressants sur la façon dont la mentalité des persos évolue, comment ils gèrent leur deuil face à Bruce, etc. Enfin, vis-à-vis de Bruce et tout. Ça coule. Attends. Ça, là. Ça. Ce truc. C'est quoi ? Est-ce que c'est une orange sanguine découpée pour faire un panier à chat ? Est-ce que c'est un truc pour pouvoir poser son cul sur un banc de manière à ce que ce soit plus confortable ? À votre avis, c'est quoi ? C'est un repose-cul ou c'est... je sais pas si c'est vraiment le mot auquel on pourrait, mais c'est le premier qui me vient à l'esprit. Ou c'est un truc à chat ? Parce qu'ils ont dit tout à l'heure qu'il y avait un chat qui trônait en ce moment dans le coin et qu'il y avait donc des chances pour que si on lui fait un petit coin tranquille pour se poser, il vienne. Je pense que c'est un truc à chat, toi. Au début, je me suis dit, attends, il y a des pizzas. Et puis, plus je regarde de près, je me dis, mais les pizzas, elles sont pas censées être séparées comme ça, de cette façon-là. Ça aurait été tout rouge, ça avait été une pizza. On aurait pu trouver d'autres visuels dessus. Quand j'ai jeté un œil, tu parlais de Papercraft. Je voulais essayer de faire le Papercraft de ce matin de Crocaccino. S'ils ont fait une version Papercraft de Croca. Est-ce que t'es parlé, chat ? Oh, Glaouch. Bonne façon de répondre. Une orange à chat. Ouais. Comme ça, tu le mets dedans, tu roules le truc, après t'écrases et ça fait du jus d'orange chat. Est-ce que ça faisait de lui un mauvais policier ? Non. Barbe, c'est parce que... Ah, mais Kayox, il joue à... au jeu en mode zombie. Ah. C'est juste que... Cassez le défaut. Je sais. Allez. Mais fais-moi confiance. Ah, ouch. Ah, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Et donc voilà. Bref. Et du coup, oui, c'est pour ça en fait. On a regardé les Papercraft cette nuit pour pouvoir en commencer un nouveau, un truc dans le genre, pour essayer de le faire avec du papier plastifié. Parce que j'en ai marre de voir mes Papercraft changer de couleur avec le temps parce que le papier n'est pas assez bien protégé et j'ai essayé avec plein de bombes différentes et à chaque fois ça marche pas. Donc je me dis que quitte à essayer d'en faire un, essayer de le faire avec du papier plastifié pour que ça reste à la couleur, tu vois. D'ailleurs j'ai retrouvé plein de... Regarde. J'ai retrouvé des aimants dessous de verre que j'avais fabriqué. Comment ça ? Avec Mario, regarde. Des aimants dessous de verre, tu les colles sur ton frigo et après, tu les sors, tu regardes, tadaaan. C'est l'année que j'avais imprimé. Et je voulais faire Mario, je voulais tous les faire. Je vais faire plein de persos comme ça en dessin. J'étais content de moi. Bref. Oui, comme ça, tu peux les coller sur le frigo. En fait, tu te fais toute une collection avec différents persos coincés en des hublots. Ça faisait un hublot que tu collais sur ton frigo, comme ça, là, paf, t'avais ça sur ton frigo. Et du coup, après... De faire quoi ? Tu les retirais et tu disais, hop, dessous de verre, dessous de verre, dessous de verre, dessous de verre. Et paf. Et du coup, ils sont aimantés. C'est vieux ça. Va en faisant du rangement. Mais un verre sur le frigo, mais voyons. Mais quelle idée saugrenue. Ouais, 240. Oh, oh, oh.
a rien de nouveau. Oh si, on a mieux là. Attends, non, j'ai pas fini le champ Gérard. Oh, prends pas trop d'avance. Tenue bio. Non, j'ai l'impression qu'il y a pas ce qu'il me demande. Pardon, ce qu'il me demandait quoi là dans les défis. Une arme de corps à corps de n'importe quelle qualité. Fabriquer une tenue ou une arme de n'importe quelle qualité. Ouais, c'est bon. Là, j'ai quand même 4 points à placer. On fait bien ça. Base de données, messagerie. Ah, t'as des gens. Oula, mais y a tout ça de nouveau. J'ai pensé prendre un peu de vacances après tout ça et à partir en Virginie, à Point Pleasant précisément. Toutes ces histoires avec la cour, ça m'a fait penser qu'il y a peut-être un soupçon de vérité derrière les apparitions de l'homme papillon. Tous les témoignages sont rapidement balayés ou à peine expliqués, mais c'est exactement ce que se passe avec la cour des hiboux, non? Si ça se trouve, l'homme papillon, les hommes papillons, les personnes papillons existent et sa meilleure protection serait de construire une légende. C'est peut-être une société secrète ou un gigantesque papillon anthropomorphe, ou alors c'est rien de tout et j'aurais juste gagné des vacances. C'est gagnant-gagnant, non? Vos gros titres à Team Drake de Gotham News, Network en ligne. Bonjour Team, voici ce qui s'est passé à Gotham City aujourd'hui selon vos préférences d'abonnement. De nouveaux gants réinventent l'expérience VR. Grâce aux dernières innovations de la Silicon Valley, la nouvelle révolution de la VR pourrait être à la portée demain. Les gants Trutouche, la touche réelle de l'entreprise du même nom, permettent de bouleverser notre façon d'interagir avec le numérique. Tribune libre, armer le GCPD. Il faut en parler, le GCPD doit être armé. Je sais ce que vous dites, mais ils sont déjà à les armes. Non, dans une ville comme Gotham qui abrite autant de tordus, le salaud, le GCPD doit combattre le feu par le feu. Leur coffre débordant d'armes a confisqué les super-vilains et ils devraient avoir le droit de les utiliser. Comment peuvent-ils lire la suite? L'IA dissidente de Harvard désactivée, les étudiants et professeurs de Harvard sont en pleine effervescence après que le IA H21, récompensé l'an dernier, a commencé à reprogrammer sa propre IA dans un langage que les experts ne parviennent pas à déchiffrer. Alan S. Lewis, le directeur du programme, déclare que la situation est préoccupante, mais Tweet Gaming. Votre période d'abonnement gratuit à Tomology va bientôt expirer. Bonjour, nous voulions vous informer que votre période d'abonnement gratuit à Tomology est sur le point d'expirer. Si vous souhaitez continuer de soutenir Tomology et de profiter de ses émotes personnalisées, n'oubliez pas de renouveler votre abonnement dans les prochains 72 heures. Blast Film Movie, D-Roll ce côté de Basile Carlo. Basile Carlo, on rappelle, c'est Gueule d'Argile. Bah ouais. Pour une saleté sous mes lunettes. Ah. Sage-femme, comment ça? Et coucou casse-croûte, et donc coucou Léo Dagan, je crois que j'avais pas dit bonjour à tout le monde. Attends, il me restait un peu de jus de réveille-toi là. Ça pique le fond quand c'est plus longtemps que ça. Avant de tomber dans une vie de criminel, Basile Carlo était acteur. Et ce bon... Était-ce un bon acteur? Les avis divergent sur ce point, mais moi, je l'aime bien. Il est facile d'oublier ses contributions au 7e art. Après, eh bien, tout ce qu'il a fait, mais nous souhaitons aujourd'hui prendre quelques minutes pour apprécier certains rôles de son ancienne vie. Avenir sombre, l'un des premiers rôles de Carlo, un film noir profond qui a commencé à révéler les talents de Carlo en tant qu'acteur. Son rôle de détective privé grisonnant, Kitch Narrows, est subtil et hypnotisant. Dommage que le reste du film ne vaille pas le coup d'en parler. Vengeance, qui n'aime pas un bon thriller?
thriller, au personnage revanchard. Même si Carlo n'occupe pas la tête d'affiche dans Vengeance, il partage la scène avec les plus grands noms dans la peau du mania du crime monochrome. C'était très drôle, bien qu'un peu trop prévisible, et il est disponible en streaming. J'ai décidé de m'inscrire à un cours sur l'IA le week-end, mais la liste de lecture me semble un peu basique. Je pourrais y jeter un coup d'œil et me dire si je perds mon temps. L'apprentissage automatique et vous de Matthew Lowe, l'intelligence artificielle éthique véritable de Lee Samuel Swong, le parti pris dans l'apprentissage de l'IA de Jennifer Chen, la machine émotionnelle de Giancarlo Deaver. J'ai peut-être une idée en l'air, mais on pourrait se faire une soirée film, un de ces quatre. Il y en a un ou deux, un de nous qui a assez de place dans son salon pour faire tenir tout le monde, non? C'est une super idée, Tim. Je pense que ça nous ferait tous du bien de sortir un peu du beffroi et de parler d'autre chose que du travail. Tu penses à quel film? Pourrais-je suggérer une œuvre de Walter Cooper? Ce qu'il a réussi à produire est assez remarquable si l'on considère les moyens techniques de son époque. Certains estiment que c'est l'un des grands maîtres du film noir. J'ai la collection complète des Swift and Serio, je dis ça, je dis rien, hein, c'est juste une info. Je mets pas la pression, ni rien, je l'ai, c'est tout, si vous voulez. Je préférais me faire bouffer tout cru par gueule d'argile plutôt que de regarder un seul de ces anardiques. On devrait regarder un bon film, genre Vivre et mourir à Del Rio. J'aurais jamais dû proposer ça, dirait Tim au final. Des bisous les petits, prends soin de toi, bonne journée, à la prochaine, ciao. Félicitations, Marie-Gaulle. C'est une fille. Pardon. Je ne voudrais pas casser l'ambiance, mais l'assistant est mort aussi. Un corps correspondant à son signalement a été reporté à la morgue l'autre jour. Recherche laser. J'ai plus les fichiers de Bruce sur Raz, et j'essaie de créer une chronologie complète de quand il a su pu être exposé au puits de laser et analyser ses changements de comportement. Si ça vous va, je voudrais avoir votre avis à chacun à un moment. Pour parler de vos expériences avec lui et Talia. Les dossiers ne disent pas grand-chose, alors ce serait cool d'avoir un aperçu de l'intérieur. Dick, tu l'as probablement rencontré plus souvent que nous. Salut Oswald, comment va Constance? Esther, le pingouin, tous. Oh mais le mec, quoi. S'il y avait une justice en ce monde, elle mangerait déjà les pissenlits par la racine. Et en passant, tu n'es pas très subtil, Red Hood. J'essayais pas de l'être. Où est-elle? Partie. Elle a vidé ses comptes. Elle avait toujours dit qu'elle voulait s'acheter sa propre île. Si jamais tu la vois, pousse ça dans les escaliers de ma part. Elle a même... Oh, peu importe. Constance aurait disparu. Attends, parce que du coup, normalement, j'ai des quêtes à faire de ce côté-là. Genre, chaos général, on lance. Gueule d'argile, on peut lancer. 23-26, oh, ça pique le niveau. 21-24, mais j'ai pas ce niveau-là, moi. 18-21. Et ça, c'est quoi, ça? 13-15, ho ho. Bon, on va aller là-bas. Et Puis, hé, garçon. Paf, deux en un. C'est les nouveaux bébés. On t'en livre deux pour le prix d'un. Je sais pas, les brebis, ça a tendance à mettre bas plusieurs enfants ou un seul? Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça enfant? Du coup, c'est pas des agneaux du coup chez les brebis qu'on dit. C'est quoi? Non, ça m'intéresse pas. Boys and girls of every age, would you like to see something strange? Come with us and you will see this our town of Halloween. This is Halloween, this is Halloween, ta-da-da, ba-da-da, ba-da-da, ba-da-da. Hein? Il a enlevé toutes les photos des gens là du truc. Du coup, c'est encore évolué ici, attends. Et s'envoler à tombeau ouvert, c'est la ville du crime, c'est la ville du crime. Bienvenue à Halloween. Ok, viens.
C'est vrai ? Très très courant. Nous avons repéré Talia dans un parking au centre-ville. Je vous envoie sa position. Je prends une photo avec lui. J'aime bien l'ambiance des toits de la ville. Je trouve que c'est joli. Alors, attends, parce que du coup, il y a pas qu'elle. Il y avait Montoya aussi qu'on devait aller voir, non ? Montoya. Parce que Montoya, ça veut rien dire. Oh, c'est quoi ça ? Alerte à la bombe. Alerte à la bombe. Mais ça, c'est qui, ça ? Voilà, Oscar. Oscar. Mon truc à faire. Si j'ai ça en tête, c'est terrible. Oh, bon réflexe de frein, monsieur. Robin, encore. Prise numéro 3. Ah, regardez-vous. Oh, je fais de la roue arrière comme personne. T'as déjà vu Batman faire de la roue arrière, hein? Hein? Ouais, Kiki Robin. N'empêche, ça ferait, après Metal Batman et tout, ça me ferait un peu rire quand même d'avoir un Kiki Robin. Ou Robin Kiki, au choix. Je crois que je craque, c'est pas bon signe. Attention, je passe. Je suis vraiment content de vous voir. C'est vrai ? Moi aussi. J'aime quand les gens sont contents de me voir. Il faut que vous entendiez ça. Entendre ça quoi ? Oui ? Et ? La situation commence vraiment à s'améliorer ici. Merci. J'ai pas compris. C'est fini ? Je dois y aller. Est-ce qu'il fallait, c'est bon ? J'ai pas compris ce qui s'est passé. Je crois qu'il y avait un truc et j'ai oublié et je... Et coucou Charlotte, où vas-tu ? Comment s'est passé ce dessin avec tous les... Attends. Parce que d'abord, faut que je pose une question. On est d'accord ? Parce que j'ai un gros problème avec les sons, syllabes, etc., les écritures. Donc, pour moi, il existe des Charlotte, des Charlotte, etc. On est d'accord que tu es la personne qu'on a raid il n'y a pas si longtemps et qui disait qu'il allait faire un dessin... Avec tout le truc que je t'ai vu dessiner, t'avais commencé un Sam & Max. On est d'accord que c'est toi. Parce que j'ai peur d'un seul coup de me tromper. Yes. La personne qui a les boîtes Dixit en fond. Voilà. Sur l'étagère. Finalement, elle fait un live montage. Je crois. Ils veulent manger Tata. Non. Pas sans moi. Toile, merci. Maintenant, tu es surveillé. Tu sais comment faire peur aux gens ? Je te vois. Ta
T'as vu qu'il y a une personne qui en a dessiné des cartes Dixit qui fait des streams? Patch en l'occurrence. Enfin bon, ça fait longtemps que je l'ai pas vu streamer plus que ça, parce que bah, les dernières fois qu'il a streamé, apparemment c'était les après-midi, j'étais pas là. Mais Patch, il a fait des cartes Dixit, il fait des live dessins, et il fait des magnifiques dessins, le monsieur. Désavé tout ça en fait. Non, 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 non. Bonjour. Allez, on y va, Gérard. Ça commence par ici et là, faut pas que je me plante. C'est pas stable. Tout se passe bien pour l'instant. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Ah mais là je suis sur une autre mission mon petit monsieur. Je crois que j'ai renversé quelqu'un mais c'était pas volontaire, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute si des gens... Ah oh, j'ai renversé un ambulancier je crois. Non tout va bien se passer, on y croit. La vie est douce. On m'arrête plus. Ouais c'était moi. Merci de ne pas traverser la route pendant que je roule. Il est possible que ce soit dangereux. Ouais, c'est bon, ça me l'a compté quand même. Allez, ça va le faire. Ça va le faire, on y croit. Oh, j'aurais pu récupérer du point là à côté. Mes efforts ont payé. Alors, c'est qui le patron? C'est gentil ça, Charlotte. Non, mais je galère beaucoup avec les pseudos. Et c'est pour ça, je sais que j'avais déjà entendu parler plusieurs fois de toi. Là, c'est Nami. Nami. Je crois que c'est Nami. Nami qui a dit, hey, Charlotte, elle est super cool. Go Charlotte. Et du coup, voilà, c'est comme ça que c'est passé. Parce que moi, à chaque fois, comme il y a plusieurs pseudos Charlotte, Charlotte, et que pour moi, ça ressemble beaucoup, bah en fait, souvent, je confonds quand je passais avant. Et du coup, voilà. Exactement. C'est elle qui t'a vendu. C'est le mec qui balance. I'm kind of the game. It's very cool. There is some mistake, but I enjoy it for the moment. Avec un superbe accent, il est toujours. Et c'est pas une originale. Bah c'est pas la question. Mais finalement. Les pseudos, vu tout ce qui est sur internet, il y en a toujours qui se ressemblent. En fait. Et du coup, ben, il y a un moment où je suis perdu. Et ben justement, comme Nami Sae, j'ai mis un long moment avant de faire la part des choses entre Nami Sae, Nami Noé, etc., etc. Et du coup, j'étais perdu. Et attrape Tata, la met sur les épaules et repart en Normandie en courant. Putain, comment tu fais ça? Je veux apprendre. Donc on était où nous, Robin? De travailler dur. Ouais, exactement. Je suis en train de bloquer, je me suis mis dans un carrefour, je bloque tout. Zone suivante, s'il vous plaît. On a un truc ici. Et du coup, il a pu avancer le dessin? Il t'arrive du coup de faire du dessin numérique aussi? Parce que moi, j'ai pas encore tout vu de la chaîne. Il y a ce qu'on m'a dit, ce que j'ai eu l'occasion de voir. J'ai vu que t'étais papier-crayon pour le dessin avec les personnages de... pour le dessin que t'étais en train de faire. Non plus, je suis pas une originale. Attends, ils sont en train de faire un braquage, non? Mais ouais, du coup, si je les défonce tous en arrivant tranquille, là, ça passe, en fait, non? Genre, si discrètement, mais sûrement. Maintenant que je suis tout rouge. Je m'approche comme ça de ce monsieur et que je lui fais « Hé, toi, poète !» Voilà, je dédicace ce portrait.
Bienvenue à toi, oui. Et que le suivant, je lui fais hey, « Eh toi, poète !» Et je lui dis qu'à ce portrait aussi. Mais non, t'inquiète pas, regarde. Pas besoin de rester sur tes gardes quand je te tabasse. Tout est ok. Attends, non mais me tire pas dessus, je suis sympa. Vous pouvez venir, s'il vous plaît. Tiens. Non, non, ça c'est un genre drone. Non. Trop facile. Ah, je me suis fait tirer dessus. Vous ne prendrez pas les sous. Oups. Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais coincé dans l'autre perso. Il m'esquive pas. Aïe, aïe, oui, 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 oui. Non. C'est bon, il y a toujours la vie. Ouais, c'est bon. Il est où l'autre ? Ah, il est reparti chercher des sous. Non, mais reviens ! Je veux juste te buter. Voilà. Bon. Ok, une petite le claque comme ça. N'a plus qu'à les ramasser. Et t'es KO. Et salut, Zexbro. Je sais pas si on prononce le MDIH au début. Je dois me trouver une cachette. Là, je joue la personne à 5. Je suis content, Kirelin. Je suis content. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Vous devez commencer Persona 5 par curiosité, devenir accro, comme moi, passer des heures et des heures et des heures et des heures sur le jeu, et après devenir accro, encore plus comme moi, terminer le jeu, être triste, faire passer le message, créer d'autres gens accro à Persona 5, et ainsi de suite. C'est comme ça que les choses se passent. C'est bien. Il faut continuer. J'espère que tu seras à fond jusqu'au bout. T'en es où ? Enfin, t'en es où ? Faut pas trop spoiler parce qu'il y en a plusieurs qui s'y sont mis dernièrement. Mais du coup, je suis content que t'aies essayé et que ça te plaise. Ça fait plaisir, ça. C'est donc, comment vas-tu, Omé, aussi ? Ah, pardon ! Non, non, je suis pas là. Ah ah ! Vous avez pas des grappins de folie pour monter, hein ? Hein ? Fais-moi les malins, les flics. Ça, c'est fait ensuite. C'est quoi, ça ? Pourquoi il est verrouillé, lui ? Ah, parce que je suis recherché, donc je peux pas me téléporter alors que je suis recherché. Là, il y a ça. Et si j'allais voir Talia al Ghul parce qu'il est 9h38 et que ça ferait avancer la quête ? Ou alors je continue à faire des trucs comme ça, là. J'ai l'impression que c'est toujours le même, là, ici. Ah, mais hier, je l'ai raté la précédente nuit parce que j'ai marché sur les plaques alors qu'il fallait pas à ce moment-là. Le 20 novembre. Ouais, mais ça vaut le coup d'attendre. Sincèrement, t'as pris une version collector ou un truc version boîte, c'est ça ? Si quelqu'un vous voit, ils croiront que les fichiers ont été falsifiés. Je vais faire profil bas. Donc quoi, est-ce problématique ? C'est comme ça, tu rentres et tu te jettes sur un jeu cool que tu aimes. Et c'est cool. Je sais pas si je peux mettre KO lui par exemple. Non. Oh non, je suis repéré. Bien, il faudra reprendre une nuit prochaine. Je suis pas là. Je suis pas là. Et je ne suis pas là. Oh, c'est joli ce bleu, je l'aime ce bleu. Ok, bon, j'ai fait de la paille. On reviendra un autre jour. Là, il y a une alerte à la bombe. Il y a rien en dessous là. Non, tout le reste a été nettoyé, donc on va aller voir l'alerte à la bombe, écoutez. Par contre, j'ai peur que ce soit gavant au bout d'un moment. Atteignez les otages, il y a des otages. Ok, en fait, c'est les otages. Mais je crois qu'on a visité déjà plusieurs fois ce bâtiment. Hier soir, j'ai pris une claque. Il est cool, le Ni no Kuni, surtout dans le style de Ghibli, là. On est d'accord que c'est ça, hein. Moi, j'ai fait le 2. On a fini par l'appeler Kill et Long 2, Ni no Kuni 2, parce qu'il était vraiment horrible en termes de longueur. Avec des trucs pas forcément super intéressants quand on n'est pas fan de JRPG. On va pas se mentir. Vous arrêtez de dire on va pas se mentir, ça devient un mot parasite aussi, comme le du coup. Ah, tu le prends sur Switch en plus.
Et je l'ai pas encore fait le premier. On me l'a offert il y a un bail maintenant, donc il est prévu que je le fasse. Enfin, quand je dis prévu, ça veut dire que je veux le faire à un moment ou à un autre. Mais après, encore une fois, vous connaissez ma loi, c'est que je fais les jeux au moment où ça me paraît le plus intéressant de les faire. Donc ça peut prendre mon temps des fois avant que je m'y mette. Mais du coup, je sais que le 2 était cool. Le Kuni était joli. Et j'avais trouvé ça très sympa. Le 2. Mais long. Et surtout, un truc que je trouve inadmissible, encore une fois, sur le deuxième. Comment dire ? Pardon. Ah non, mais c'est une très très bonne idée. Puis le jeu a un style graphique qui, je pense, peut passer sur Switch. De toute façon, la chose qui compte, c'est que vous essayez le jeu au final. Que ce soit sur une plateforme ou une autre. D'ailleurs, encore une fois, je rappelle que grâce au Game Pass, vous pouvez découvrir Persona 5 sur smartphone. Et cela sans vous poser vraiment beaucoup de questions. La bombe est désamorcée, mais gardez votre calme. Pitié, arrêtez-les! Je veux pas mourir ici! Il y a deux gens par ici. Même l'important du jeu, l'important dans le jeu, c'est l'histoire et l'ambiance générale. Et franchement... Non. Je t'aiderai quand il fera jour. Allô ? Allô ? Parlez plus fort, je suis vieux. Le mec en face, il l'a écouté, qui dit rien. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Ouais, ouais, c'est bon, je suis à côté. J'ai dit ce matin. Là, ça on désactive. Ça on pouette pouette. Voilà, la caméra est verte maintenant. Attends, je suis... Ouh, rock and roll, baby. La bombe est désamorcée, mais gardez votre calme. Je vais péter la bombe sans le vouloir. Il y a quelqu'un là-bas. Ah, tu vas où, toi? Oh, j'aurais tellement aimé t'exploser, toi, comme ça, d'un seul coup. Sûr de vouloir jouer à ce petit jeu avec moi. Non, il en reste deux. Quoi, tu veux me tirer dessus, toi? Non, mais oh! On m'attaque pas impunément.
4, ça va pas exploser. Ah si, explosion des bombes en 30 secondes, j'avais pas vu le temps qui passe. Heureusement que vous étiez là. Je prenais mon temps, tranquille, tout va et bien. Voilà. Et voilà. Non, ça l'a pas tué, zut. Non, non. Chacun a sa tartière. Et coucou, Psybart. Si, si, parce qu'après, j'ai joué avec... Avec Kayox à partir de minuit. De minuit jusqu'à... peut-être 5h, 6h, 5h. Et après, à 5h, on a arrêté de jouer. Parce qu'il est parti se coucher, Kayox. C'était quoi ? Ouais, faut que je descende. Désolé, je m'en vais, je me casse. Bonjour, au revoir. Je suis suicidaire. Non, j'ai menti. Voilà. Il est 47, j'ai peur de lancer la quête et que ça se passe mal. Genre qu'elle me dise bonjour, mais on va aller la voir quand même. Je crois qu'il fallait que j'aille voir mon Taya aussi. Voilà, et du coup, après je discutais parce que je savais pas trop sur quoi partir. J'avais chaud, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête et tout, et du coup j'ai hésité à partir sur du dessin. Et en fait on a discuté, on a regardé un peu les modèles de Papercraft parce que je me suis dit il y a un modèle de Papercraft que j'aimerais bien faire. Et c'était le modèle du Papercraft de Croca. Et ça m'aurait bien tenté, mais en fait le truc c'est que c'est Dicky Workshop qui a créé le modèle Papercraft de Crocaccino. Et en fait il fonctionne par principe d'impression sur des papiers colorés. Et donc bon, je pouvais pas trop le faire du coup. Parce que ouais, il aurait été tout blanc. Qu'est-ce qu'il raconte, elle ? Jolie chorégraphie. Ouh ! On tourne la clé. Ta ligue des ombres est arrivée ? T'aurais dû nous prévenir, Talia. Est-ce que ça ressemble à ma ligue ? Est-ce qu'ils ont décapité la cour ? Et toi ? Je crois que la voix a survécu. Elle semblait bien protégée. La ligue continuera à se battre, peu importe les dommages collatéraux. Et la cour répliquera avec d'autres ergots. Combien de personnes vont perdre la vie à cause de tout ça ? Beaucoup. La ligue va ravager la ville. Et la cour mijote quelque chose d'encore plus important. Qu'est-ce que tu veux dire ? Langstrom a écrit que des cobayes vivants feraient des ergots plus puissants. Je ne veux pas être là quand ils émergeront. Si Langstrom était si utile, pourquoi la cour l'a-t-elle tué ? Bien que j'apprécie nos discussions, Gotham devient trop dangereuse. Merci de me laisser tranquille. Et voilà. Et coucou Ishiban, comment ça va ? Ça y est, on a fait notre boulot. J'espère que vous avez entendu. Oui, des ergots plus forts arrivent. Ils vont pas faciliter le démantèlement de la cour des hiboux. Tout ce qu'on peut faire, c'est continuer le combat. Et en apprendre plus sur ce qu'on affronte. D'ailleurs, Montoya. Montoya, pas Montoya. Et Vinti m'a fait une fausse joie. Comment ça, je t'ai fait une fausse joie ? Au Papercraft ? Bon, en fait, j'ai. Le problème, c'est que actuellement, je préférais utiliser l'encre de l'imprimante. Donc, je voulais pas faire un modèle trop gros, mais je trouve pas de modèle qui soit intéressant à tester sur. Comment dire ? Sur du papier plastifié. Parce qu'il va falloir que je plastifie le papier et tout. Je vais essayer, mais faut pas que je prenne un modèle trop gros et faut pas que je prenne un modèle avec des morceaux trop petits. Ça sert à rien que j'imprime des tonnes de planches si je peux pas les découper avec ma technique. Faut que je teste un truc avant. Et du coup, le souci, c'est que. Contrôle de sphère. C'était joli là aussi. J'aime bien cette baraque. Même on reconnaît le lieu, je crois qu'on y était déjà allé ici. La maison était jolie. J'adore cette ambiance bleue. Elle est trop jolie. Warcraft, je vous propose de faire une caisse. Peut-être Waluigi. Les casquettes, ouais, ça aurait pu être pas bête, ça.
J'arrive, Montoya. Mais pourquoi ce serait ma faute à moi d'abord? Hey Montoya, faut qu'on cause. Ça, c'est du... Je me demandais quand vous viendriez. Je voulais que vous ayez le temps de lire tous mes fichiers. Il y a du lourd dans ces fichiers. Une société secrète qui contrôle Gotham, avec Jacob Kane à sa tête? Des meurtres. Un complot. On a la totale. J'ai bien cru que vous déliriez, mais il s'avère que tout ça se tient. J'ai vu des tas de trucs louches dans ma carrière, mais ça... ça explique parfaitement chacun d'eux. J'imagine que Kane a le bras très long. Il y a trop de flics ripoux à mon goût pour pouvoir l'arrêter. Si j'avais quelqu'un de fiable à qui confier le dossier, je pourrais obtenir des preuves solides. Laissez-moi du temps, et je saurai exactement à qui vous pouvez vous fier. J'ai lu un rapport qui disait qu'un justicier avait sauvé un flic. J'ai failli en cracher mon café. Joli ici aussi. Oh, c'est quoi cette statue? On est où là? Attends. On va s'arrêter ça. Oui, en vieux Gotham. C'est là, ils disent qu'il y a une statue de folie là. Où je suis jamais allé. Statue de la justice. Là, il est pas mal non plus cette statue là. James Gordon. Oh. Papounet. CPD, courtoisie. Et c'est ça, hein, j'aurais dû jouer à Disney ce matin. Oh, ça c'est sa vie, elle fait bien ce qu'elle veut. Mais tout ceci ne nous regarde pas. Tu veux aller là? On s'arrêtera là-dessus, ce qui est 9h53. C'est ça la statue de la justice? Ça a l'air grand. On doit pouvoir la scanner la statue de la justice, j'imagine. Non? Une plaque ou un truc à scanner? Attends. Comment si on prend un mode photo là comme ça? Et qu'on fait comme ceci? Si on met un éclairage en plus là. Mince, je fais des bêtises. Ouais, ça me plaira pas. Mais non, personne ne tuera Doctor Who. C'est un truc qui résiste aux années depuis tellement d'années que... C'est plus possible. La chat pardeuse, un hommage à tous les docteurs travaillant au port de Gotham. Voilà, votre truc qu'on a récupéré, ta-ta-ta. Attends, comment je fais pour trouver les trucs, là? Bon, je crois que la plaque est en dessous. Alors là, il n'y a pas une plaque, là, regarde, ici.
Ça, là, c'est pas ça qu'il faut scanner? Faut que j'examine ça, attends. Mon premier monument! Statue. Ah, mais non, j'en ai scanné d'autres, en fait. Powers Club, commissariat du GCPD, mémorial James Gordon. À l'origine, c'est le mémorial de la police de Gotham City. Bon, allez, tant qu'on a. Des fois, j'ai l'impression de voir les décors de. C'est de loin comme ça. Ça me donne l'impression de voir les décors de Mary Poppins de loin pour les quand ils sont à l'extérieur sur les toits de Londres. Et elle est jolie, elle a de nouvelles tenues, hein, Pinduit. Et donc, est-ce que j'aurais raté des choses? Parce que c'est moi Lolita. Non, c'est pas ça. Attends, j'avais raté des choses, j'ai l'impression. Fais comme moi, tu ne regardes plus si ça te plaît pas. Ouais, t'attends un peu. Ça va passer, mais... Doucement aujourd'hui, ok, d'accord. Bref, du coup... Il est temps de couper cette rediffusion, en espérant que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Pensez positif, prenez soin de vous et à très vite. Des bisous, je reviens. À tout de suite. Ba-dum-bum, ba-dum-bum.